adjoint, voilà. En couverture, faut-il acheter un Steam Deck? Alors, on en discutait avant l'émission. faut-il acheter un Steam Deck? Eh bien, on va dire oui. On va pas prendre de risques. Oui, c'est très bien. Voilà, c'est parfait. Le Steam Deck. Qui est-ce qui a acheté un Steam Deck ici? Dans le chat. Dans le chat, voilà. Oui, c'est très bien le Steam Deck. Non, je vais te dire. Oui, vas-y, dis-moi. Je m'approche un peu de toi avec le micro et tout pour que ça soit un petit peu plus intimiste. Pourquoi est-ce que je n'ai pas acheté de Steam Deck et tu vas me dire si j'ai raison ou pas? C'est la résolution. 1280 x 720, je crois. C'est franchement pas le. Non. Ouais, je crois que c'est, c'est le pire truc que j'ai entendu. Il y a beaucoup de choses à reprocher au Steam Deck, mais alors vraiment pas ça en fait. Mais je peux pas jouer à Victoria 3 en 1280 x 720. Oui, mais tu peux pas jouer à Victoria 3 sur un écran de 7 pouces en fait. Il a le problème à la base, tu vois. Eh ben, il est mal branlé, le truc. Mais non, mais après, c'est pas fait corps pour Vampire Survivor, c'est vachement bien. Mais C'est fait pour ça, justement. C'est fait pour Vampire Survivor. Bon. En plus, il y a des écrans comme ça. Il y a des petits écrans de 7 pouces comme ça qui ont en très haute résolution. Les écrans sur les smartphones, par exemple. Bien vous sûr. Avez des trucs très fins. Et l'autre qui dit bien sûr, bien sûr. De toute façon, tu sais bien, bon, on ne peut pas critiquer le Steam Deck parce que les gens qui l'ont acheté et qui ont dépensé 1 800 € pour en acheter un. Non, ça coûte pas 1 800, ça coûte combien? C'est pas cher en plus. 400 ouais, et cher. 680. Ça, c'est vrai que c'est pas cher. Ils ne veulent pas, du coup. Ils veulent pas admettre qu'ils ont dépensé leur argent. C'est vrai. Quelque chose de critiquable. Vous enverrez l'email directement à zuzu@canardpc.com et il débattra avec vous sur le tarif du Steam Deck. Ça parle aussi de GeForce 4090. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette idée de la multiplication des launchers qui est un problème, ça n'existe que depuis que le Steam Deck existe. Parce que oui, sur Steam Deck, c'est relou. Parce qu'effectivement, souvent, le deuxième launcher sur Steam Deck, il va te péter la compatibilité de ton jeu. Il y a la couche Proton qui ne va pas réussir à le gérer ou quoi. Mais finalement, est-ce que ça démontre un problème de la multiplication des launchers ou un problème du Steam Deck ? Qui n'est pas sous Windows alors qu'il faudrait qu'il soit sous Windows. Il y a une vraie question à se poser là en fait. Et parce que moi de fait quand je joue sur PC, je m'en fous. Complètement. Enfin, ça change rien. Pourtant c'est le GS, et ben voilà, tu lances le GS, tu cliques, voilà, ça prend 4 secondes. Il faut le faire, cet article sur Linux, mais moi non. Moi je te le fais, il n'y a pas de souci. Hein. Ah bah voilà. T'es sur Linux toi? Non, ça va pas ou quoi? Je me respecte un peu quand même. On va se faire des émissions sur YouTube. Tous les deux ans, je réinstalle Linux en me disant allez, je vais faire un dossier dessus, puis je réinstalle, je sais rien qui marche. Sur le chat, pas de commentaires. Voilà, je sais, oui, mais tu as mis Ubuntu alors qu'il fallait mettre Red Mango 3.12 et puis les drivers, il faut aller. S'il vous plaît, pas de commentaires. Donc un article. Dernier Call of sur SteamOS et ne pas installer cette merde de Windows, tu vois. Mais en même temps, voilà, Windows, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses, mais j'aimerais tellement m'en passer, mais voilà, je tiens à le dire, je tiens à le repréciser encore devant tout le monde aujourd'hui, et c'est pas parce que je fais une vidéo de comment on installe, ou même que je mets à disposition comment on installe Windows sur le Steam Deck, qu'il faut le faire. C'est pas le propos. Le propos, c'est est-ce que tu as besoin ou pas de Windows sur le Steam Deck. C'est surtout ça.